Les guerriers sont loin de leurs réserves. Mais nous, pas avoir armes. Les Cheyennes ont signé traité. Il dit que vous ne pouvez quitter la réserve sans autorisation. Pas fusil, pas flèche et pas arc. Là-bas, vers le nord, beaucoup de ranchs brûlés, beaucoup blancs scalpés. Nous recherchons les coupables. Nous, revenir sud, faire commerce avec frères. En paix, nous rentrer dans Wigwam, retrouver Squaw à Sand Creek. La prochaine fois, respectez le traité. Le colonel Shivington sera sûrement déçu de ne pas avoir quelqu'un sur qui tirer. Oui. Entrez. Le lieutenant Hewitt est là, colonel. Ah, qu'il entre. Bien, colonel. Lieutenant. Je suis heureux de votre retour, Hewitt. Merci, capitaine. Qu'avez-vous trouvé? Nous avons rencontré une bande de Cheyennes qui regagnaient leur réserve. Oui. Mais pas les pillards que nous recherchions. Comment le savez-vous? Ils venaient du sud. Ils n'avaient pas d'armes, pas un arc, pas un fusil. Vous n'avez pas vu d'armes, ce qui ne prouve rien. En tout cas, ils étaient hors de leur réserve. Ils m'ont dit qu'ils rentraient à Sand Creek après avoir commercé avec leurs frères. Ils ont dit. Faites sonner le rassemblement. Oui, colonel. Qu'est-ce que vous allez faire? Leur donner une leçon qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Sans cartouche à chaque homme, nous marchons sur Sand Creek. Bien, colonel. Vous ne pouvez pas faire ça. Gardez vos distances, lieutenant. Disposez. Vous savez ce qui arrivera si vous attaquez une tribu amie? J'ai l'ordre de faire respecter les traités et de maintenir ces sauvages dans la paix. Je vous ai dit disposer. Mais, colonel, toutes les autres tribus, les Arapaès, les Piutes, les Comanches, vont sauter sur ce prétexte pour se joindre aux Cheyennes sur le sentier de la guerre. Pas si je suis ici, ils me connaissent. Et au sud d'ici? Au sud? Au Texas. Vous savez que le sud s'est complètement dégarni d'hommes en faveur de l'armée confédérée. Lieutenant, dois-je vous rappeler que nous sommes en guerre, que nous combattons le sud, et si mettre les Indiens sur le sentier de la guerre sert notre cause, je n'y vois pas d'objection. Nous ne faisons pas la guerre aux femmes ni aux enfants, et il n'y a pas 10 hommes par 2000 km² au Texas. Aux origines texanes, n'aurait-elle pas un rapport avec votre attitude, lieutenant? Un homme se bat pour la cause qu'il croit être juste, qu'importe où il est né. C'est de l'insubordination, lieutenant. Vous vous êtes trompé d'uniforme, sans doute. Je me demande qui de nous deux a commis cette erreur. Hewitt, vous êtes aux arrêts. Vous resterez dans votre logement jusqu'à mon retour. Je ne sais pas si vous avez eu raison de lui dire ces 4 vérités. Vous avez entendu ses paroles? J'ai des oreilles. Ayez de la mémoire aussi. Weber. Lieutenant. Je vous demande de faire parvenir ceci au général Farwell.
De faire parvenir, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut que quelqu'un prévienne les gens du Sud. Faites pas de blagues, lieutenant. Vous savez ce qui vous attend si vous quittez le fort. Oui, ben je m'inquiéterai de tout ça le moment venu. Ou flanqué dans un de ces pétrins. Dites-là, vous avez pris le sud pour le nord sur votre boussole? C'est la frontière du Texas ici. Je sais où je suis. Avez-vous eu des ennuis avec les Indiens? Aussi loin au sud? Si ça ne vous fait rien, j'aimerais avoir un bidon d'eau et quelques provisions. C'est pour quoi faire? Est-ce que vous posez cette question à tous les clients? Et seulement quand nous supposons que c'est un soldat nordiste essayant de se glisser au Texas comme espion. Je suis du Texas. Avec cet uniforme? Et mieux vaut le boucler. Si vous savez vous en servir. Non aux armes et aux munitions. Attention, ne vous endormez pas, ils reviendront sûrement, tenez. Où allez-vous, l'ami? Vous voulez toujours me retenir? Oui. Jusqu'à ce que vous ayez ce que vous cherchiez.
Merci. Ça va, on peut y aller, Sarah. Il faudrait appeler le docteur pour Harry. Et puis dites donc, je ferais mieux de vous dégoter quelque chose pour cacher l'uniforme que vous portez. Essayez-moi ça. J'ai rencontré pas mal de monde et je préfère qu'ils ne me tirent pas dessus avant que je sois assez prêt pour leur parler. Surtout que les gens sont sensibles à cette couleur par ici. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes au juste? On pourrait dire une espèce de déserteur. Et de quel camp? Des deux à la fois. Je vais vous donner des vivres et de l'eau. Reste à dîner, t'ouvriras la boîte de pêche? Peut-être. Si vous restez à dîner, on mangera des pêches. Rentre à la maison. Au quoi? Je t'ai dit de rentrer. Vous, Stella? Je vous croyais partie pour toujours. Je le croyais aussi. Mais vous n'avez pu rester au loin. Non, je n'ai pas pu. À ne rien vous cacher, j'ai déserté pour venir ici. Hélas, un peu tard. Je suis mariée. Croyez-vous par hasard être le seul homme au monde? Non, attendez une minute. Attendre? Attendre qui? Attendre quoi? Vous, monsieur Evitt? Eh bien, apprenez qu'une semaine après votre fuite, je me suis mariée avec un brave homme, Ed Litham. Vous avez vu son frère? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il y a 15 jours, on a massacré une tribu Cheyenne à Sand Creek. C'est l'œuvre de mon colonel. Maintenant, les Indiens sont déchaînés. Les Indiens? Quel esprit fertile! Quittez mes terres! Stella, écoutez-moi! Réfugiez-vous à la mission. Maudit nordiste! Emmène-la, toi, petit. Maudit nordiste! Bonjour, Mrs. Anna. Vous ne me reconnaissez pas, voyons, je suis Frank Hewitt. Je ne reconnais pas les traîtres. Écoutez, les Comanches vont venir par ici. Je m'adresse à vous parce que je sais que vous êtes la femme la plus solide. Si vous croyez réussir à effrayer les femmes sudistes pour qu'elles quittent leur terre afin que vous vous en empariez, vous êtes naïf. Je ne veux que vous aider, pas autre chose. Vous feriez mieux de m'écouter, Mrs. Anna. Vous écoutez? Jeune homme, j'ai déjà écouté 3 maris et rien ne dit que j'en écouterai pas encore 3 autres. Mais aujourd'hui, c'est vous qui m'écouterez. Les hommes sont partis combattre votre sale engeance et nous ne voulons pas de votre aide. Vous êtes trop poli pour être honnête. Et si vous ne filez pas, vous aurez besoin de pièces à votre fond de culotte. Dis donc, bandit, renégat! Allez, relevez-vous. Allez-vous rester tranquille, oui? Qui êtes-vous? Quel est votre nom? Jeanne Martin. La fille de Jeff Martin? Où est votre père? Mort. Au combat, et vous le sauriez aussi s'il m'avait appris à mieux viser. Je ne suis pas venu pour vous faire du mal.
Les Indiens sont sur le sentier de la guerre. Il faut déménager d'ici, vous réfugier à la mission le plus vite possible, vous m'entendez? Ça me fait de la peine pour votre père. Et maintenant, dégarpissez. Ayez confiance en moi, j'étais un ami de votre père. Allez! C'est bon. Si par entêtement, vous voulez rester ici et vous faire massacrer, libre à vous, je vous aurais prévenu. Vous feriez mieux de courir. J'étais un bel idiot de venir chez vous d'abord, j'aurais dû... filer! J'ai du mal m'expliquer à votre première visite. Moi aussi. Mais voilà qui va vous aider à comprendre. Dora Hartley. Telle que je l'ai trouvée. Telle que les Comanches l'ont laissée. Votre façon de dire les choses est horrible, monsieur Hewitt. Vous ne vouliez pas m'écouter. Il fallait bien que je vous montre. Il n'y a pas de temps à perdre. Mettons-nous à la besogne. Très miséricordieux, toi à qui il a plu de rappeler l'âme de ta servante, Dora Hartley. Accorde-nous, à nous qui sommes encore dans cette vallée de larmes, qui marchons soutenus par la foi, qui t'avons servi sur terre avec constance, accorde-nous la grâce de pouvoir rejoindre un jour des frères russes. Bonjour. Bonjour. Tiens, tiens, tiens. Je croyais que tous les vrais hommes étaient partis se battre. Vous êtes de la région, mesdames? Oh, vous n'y pensez pas. Je suis Madame Charlotte Ogden, des Ogden de Charleston. Et la première chose que je désire mettre au point, c'est que je ne suis pas avec cette... créature. Merci. Notre cocher nous a abandonnés il y a 2 jours pour aller chercher un chariot neuf, quand la roue de celui-ci est partie. Je les ai trouvés dans la prairie et j'ai cru bien faire en les amenant ici. Vous avez très bien fait. Maintenant, mettez une roue à ce véhicule, jeune homme, et toutes deux, nous reprendrons la route. Je crains que vous ne soyez obligés de rester. Nous attendons des Indiens. Des Indiens? Des Indiens. Si vous ne nous trouvez pas dignes de vous... Abritez-vous! 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 Si vous vous étiez vu. Ah, et toi aussi. Calme-toi, mon gars. Mais qu'est-ce qui vous prend? Si on peut plus plaisanter? Si, mais pas de cette façon, Kito. Ah là là. Étant donné qu'il n'y a pas l'ombre d'un Indien à moins de 100 000 d'ici, à moins que t'aies fini par te prendre toi-même à tes mensonges. Si de sa tombe, Dora Hartley pouvait parler, elle te le dirait. Elle a dû être tuée par un vagabond plein de whisky. Et si tu te trompais? Si je me trompais, je dirais qu'il faut décamper, galoper à crever tous nos chevaux. Il est trop tard. Les Comanches ont mis à profit le temps qu'il vous a fallu pour vous décider. La vallée est cernée. 2 jours plus tôt, et même hier encore, notre fuite était possible. C'est aujourd'hui qui nous intéresse. Aujourd'hui et demain. Nous devons rester ici, et rester tous. Quelles sont celles d'entre vous qui savent se servir d'un fusil? Vous pouvez lever la main. Moi aussi, je sais, maudit nordiste. Monsieur Hewitt,
Seul le livre saint me dit ce qu'il est juste de faire. Et il est dit, tu aimeras ton prochain. Miss Cora, je doute fort que cela soit suffisant pour arrêter les Comanches. Mais Susanna, je vous nomme sergent et commandant en second. Choisissez vous-même deux caporaux. Je désigne Jeanne Martin et Stella Litam. Bon. Maintenant, dételez les chevaux et menez-les dans le corral. Rassemblez tout ce que vous avez pu sauver à l'intérieur de la mission. Eh ben, vous savez, je vous souhaite bonne chance à toutes, les soldates. Vous en avez sérieusement besoin, croyez-moi. Où t'en vas-tu comme ça, Kittle? Réflexion faite, vous aurez peut-être besoin de moi. Au moins, vous serez sûr d'avoir un bon sudiste. Sa place ne serait pas ici. C'est bien. Et maintenant, au travail! T'as entendu, toi? Oh, je suis bien contente que tu sois là. Oui, Marie. Oui. Il s'agit de vous servir de vos muscles. Retournez le chariot. Hé, hey, toi! Veux-tu pousser? Allons, allons! Courage! Oh. Tirez-vous de là, lieutenant. Prêtes, vous autres? Une, deux et trois. Allez! Pour le muscle, faites-moi signe, lieutenant. Oui, merci. Exercice de tir. Bon. Attendez, attendez. Inclinez la tête pour prendre votre ligne de mire. C'est ça. Bravo, Betty. Y a pas de mal? Je ne crois pas que vous puissiez jamais en tuer beaucoup, mais rien que la détonation peut leur faire peur. Tenez. Si ma mémoire est bonne, vous n'avez guère besoin de mes leçons. Si vous vouliez me rendre mon revolver. Si vous avez besoin de moi aussi pour le tir, à votre service, lieutenant. Vous n'avez rien à m'envier. Dépêchons, dépêchons, allons là-bas, dépêchons. Sergent, le thème de l'exercice sera une sortie contre l'assaillant. Tenue de campagne. En position. En avant pour un bond. Vous vous précipitez contre un assaillant et non contre vos vis-à-vis au quadrille. Eccles, aplatissez-vous. Comme ça, vous risquez d'être blessé à un endroit difficile pour enrouler un pansement. Recommençons. Et n'hésitez pas à vous jeter à terre, le sol ne cédera pas. Oh, oh, dit général, ceci sort un peu de mes occupations habituelles. Si vous m'attachiez à votre personne, ce serait plus agréable pour nous deux. Rassemblement! Et pas de gymnastique! Il faut caler vos pieds, caler vos pieds! Suivante! Arrêtez! Arrêtez! C'est pas comme ça que je vous ai montré. Allez, à vous, Martin. Vous devez vous servir de l'élan. Allez, hop! Vous voyez? We've been working all day long, we've been working all day long, we've been working all day long, pass me the water, darling. Commencez par celui qui se trouve là-bas. D'après ce que vous nous avez dit, les Indiens n'attaquent pas la nuit. On en profiterait pour aller puiser de l'eau. Oui, mais ils auront besoin d'eau, eux aussi. Je veux pas qu'ils en aient. C'est pas mal raisonné. Oh,
ça devait arriver. Sommes-nous des esclaves? De quel droit nous imposez-vous ce supplice? Betty, mon flacon de sel. Retournez faire la chaîne, il n'y a pas de temps à perdre. Mais comment osez-vous me parler sur ce ton? Sautez! Vous allez vous reposer un petit peu. Asseyez-vous là. Ça va aller mieux, ça doit être le soleil. Émile, Émile, je t'en supplie. Tu vas pas encore recommencer? Les jours passent, il y a des moments où je crois devenir folle. T'as rien dit aux autres, j'espère? Non, mais crois-tu qu'elles ne vont pas s'en douter? Oh, je t'en supplie, marions-nous. Écoute-moi, le mariage est une chose qui demande réflexion. Rentrez à l'intérieur ou restez derrière le mur! Derrière le mur! Derrière le mur! Baisse-toi, baisse-toi! Baisse-toi! Oh! Allez, venez tout le monde! Jetez tous ces débris dans le puits! Ça va être prêt. Martin, il y a un proverbe qui dit que les armées marchent avec leur estomac. Heureusement que nous n'avons pas de route à faire, ça l'est encore un peu. Gaspillez pas le plomb, il est rare. On met la poudre avant de mettre la balle. Pourquoi avez-vous gardé votre jupon, Ogden? Il nous faut des bandes à pansement. J'ai fait donner les siens à Betty, déjà. Votre jupon. Quoi? Donnez votre jupon. Vous osez? Donnez-le ou je vais le prendre moi-même. Oh, Betty! Si nous étions en Caroline du Sud, monsieur, je vous aurais fait fouetter. Let me introduce a lady, la-di-da, la-di-da. A lady with a very pompous air, la-di-da. She can't see you pass her by, 'cause her nose is in the sky. Her boots are fancy leather and her bonnet there. Votre jupon, vous aussi. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Stella? Puis-je vous parler? Bien sûr. Avons-nous quelque chance de nous en tirer? Avec les Indiens, peut-on jamais savoir? Il m'est difficile de vous répondre. Franck, je vous ai dit que je m'étais mariée une semaine après votre fuite. Demandez-moi pourquoi. La dame est un brave homme, m'avez-vous dit aussi. C'est vrai. Mais demandez-moi si je l'aime. C'est pas une question à poser. Je crois que je l'ai épousée uniquement par dépit. Je ne peux pas vous en vouloir. J'étais folle de rage de n'avoir pu vous retenir. Oubliez tout ça avant de prononcer des mots que vous regretteriez plus tard. Je tenais à ce que vous le sachiez. Franck, je vous jure, je n'ai jamais aimé elle. Quand je vous ai vu venir à cheval, j'ai cru soudain que mon cœur allait éclater, tant il s'est mis à battre fort. Hé, hey, Stella! Stella! Qu'est-ce qu'il y a, Bax? Le sergent Anna a besoin de toi. Dis-lui que j'arrive dans une minute. Elle veut te voir tout de suite. J'ai inventé ça pour la faire partir. Et maintenant, à nous deux. Et tourne ton revolver d'un autre côté. Il est tourné du bon côté, pour tuer un maudit nordiste. Avec le danger qui nous guette, ne crois-tu pas que tout ça devrait être oublié? Quand mon frère est parti, il m'a chargé de veiller sur sa femme. À sa place, j'en aurais fait tout autant. C'est de lui justement que nous parlions. Pourquoi ici? Dehors. Es-tu capable de garder un secret d'homme? Ça dépend. Tu te conduis en bon frère, mais tu juges les choses un peu vite. J'ai déjà un flirt et elle est jalouse. Et c'est laquelle, votre flirt? Tu verras. C'est laquelle? Eh ben... La voilà. Bax, reviens ici. Vous vous promenez? Oui, tu vois. Jeanne Martin? Oui, c'est elle. Elle est pas mal. Oui.
Maintenant, rappelle-toi, hein, le secret. Oui. Bon, il est l'heure d'aller te coucher. Bonne nuit. Et range ton revolver. Est-ce qu'il en est sûr que les Indiens ont cerné la vallée et qu'il est trop tard pour essayer de leur échapper? Nous avons vu le cadavre de Dora. Mettons qu'il ait raison. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux foncer et nous frayer un chemin à travers les Indiens plutôt que de rester ici et de nous faire massacrer comme des moutons? Ma foi, c'est à examiner. Le tout, c'est de ne pas être trop chargé, voilà. Et tout le monde se casse dans un ou deux chariots. Les chevaux qui restent, on les attache derrière, et quand les chevaux attelés seront fatigués, et nous les changerons. C'est simple. Qu'est-il passé, Witt? Il désertait. Non. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous? Pourquoi avez-vous chassé les chevaux? Car il a chassé tous les chevaux. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'il avait peur, si quelqu'un arrivait à s'échapper, d'être dénoncé. Je ne le crois pas. C'est vrai, en partie. La nuit dernière, j'ai entendu le petit discours que vous tenez, Kittle. Il m'a semblé qu'il était prêt de vous convaincre. Et vous avez décidé pour nous. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Quelles qu'en soient les conséquences, c'était tout de même à nous de prendre une décision. Bien dit, Jeanne. Et remarquez en plus qu'il avait gardé son cheval pour décamper tout seul. Non, pour pousser une reconnaissance. Bien sûr. Faudra trouver autre chose. Voilà où ça mène de faire confiance à un traître. Attendez, qu'il ait eu tort ou raison pour les chevaux, Frank n'en reste pas moins embarqué sur le même bateau que nous. Qu'allons-nous faire de cette vermine? Enfermez-le jusqu'à ce que la bataille commence. C'est ça. Allez! Franck, regardez! J'ai peur que ce ne soit votre ranch, Stella. Espérons qu'ils remonteront vers le nord, mais nous tenons-nous prêts à les recevoir. Oui! Retournez à vos postes! Allons, allons! Dépêchez-vous! Sentinelle! Rien à signaler, lieutenant! Ouvrez l'œil! Ce que vous faites pour nous maintenant, c'est très bien. Mais cela n'efface pas le mal que vous nous avez fait avant. Le mal? Quel mal? Vous avez abandonné le Texas et le Sud. Comment avez-vous pu faire ça? Parce que j'ai une conscience et que sa voix est plus forte que tout. Et votre conscience vous a dit, Frank, trahis tes frères, tes meilleurs amis. C'est bien ça. Vous raisonnez selon vos opinions et moi selon les miennes. Est-ce que tout va bien, lieutenant? Bien, Bax. Dites, je suis rudement content que vous ne soyez pas brouillé. Bax. Brouillé? Ne vous en faites pas. J'ai dit à personne que vous étiez son flirt. Bax, va donc voir si le cheval a assez d'avoine. Vous lui avez dit que j'étais votre flirt? Oui, j'ai été obligé. Pourquoi? Il m'a vu parler à Stella, il a imaginé des choses qui ne sont pas. Stella Litam?
Pas fâché d'avoir découvert ça aussi. Jeanne! Voilà de l'eau et une bougie. Marie, écoute, Marie, je t'en prie. Il faut que tu saches une chose, Marie. Que je regrette le mal que je t'ai fait. J'ai des torts, grands torts. Non, c'est moi qui ai eu tort. Oui, oui. Mais ton seul tort, c'est de t'être intéressé à un type comme moi qui n'en vaut pas la peine. Je me suis laissé prendre à tes paroles. Pardonne-moi, Marie, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu te rappelles avant la guerre, quand on dansait le quadrille au bal? Tous les gars s'empressaient auprès de toi. Tu les recevais plutôt mal. Les galants n'avaient pas la partie belle avec toi. Puis la guerre est venue. Tous les hommes ont rejoint l'armée, excepté moi. Et je crois que j'ai oublié combien j'avais de la chance. Et pourquoi te rappelles-tu tout ça brusquement? Parce qu'ici, la mort nous attend. Nous méritons de mourir. Oui, moi, Marie, mais toi, tu dois vivre et tu sais pourquoi. Seulement, avant de mourir, j'aurais voulu... m'épouser. Oui. Comment? Personne ici ne peut nous marier. Je sais, chérie, je sais, mais le cheval de Franck, il pourrait nous emmener tous les deux et on trouverait bien... Oh, Émile, est-ce possible? Oui, chérie. Tu seras ma femme. Ma femme aimée. Oh. Les clés, donne-moi les clés. Ouvre la porte. Vite, vite, chérie. Vite. Conover et Gibbons, c'est à vous de prendre la garde. Votre fille devrait dormir. Viens, mon petit, viens. Je me demande ce que ça fait d'avoir une gosse à soi. C'est facile à savoir. Mariez-vous et menez une autre vie. Moi? Une vie nouvelle dans un pays nouveau, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai bien connu un cordonnier qui est devenu violoniste. Oui. Merci, la belle. Oh! Émile! Émile! Émile, ne me quitte pas! Reviens! Idèle s'est sauvée. Elle a essayé de l'arrêter, mais elle n'a pas pu. Je m'occupe d'elle. Oh non, non, non. Aidez-moi. Vous avez menti, c'est elle qui l'a laissé partir. Une question. Pourquoi aviez-vous gardé un cheval ici? J'aurais peut-être pu éloigner les Indiens avant qu'ils ne vous aient repéré. En les attirant sur vous. Peut-être. Personne ici? Amigo, vel ces encore toi? Et traîne pas comme ça. La rosée du matin m'altère. Écoutez, je suis pas barman. On va t'apprendre. Attention, tu nous en as déjà tué un. Tortilla a raté son coup. Ça peut arriver à tout le monde. Merci. Amigo, combien d'argent tu as? Moi? Mais rien du tout, rien.
va voir ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Viens, tu vas le voir. Allez. Mais je ne comprends pas. Quoi? Laissez-moi partir. Allez, ferme ta gueule. Mais fouillez-moi. Tout ce que je vous demande, c'est de me laisser m'en aller. Je n'ai rien. Viens te croire. Là. Qu'est-ce que je vous ai fait? Soulève-le un peu, il est lourd. Laissez-moi tranquille. Et maintenant, parlons. Combien d'argent que tu as sur toi? Je n'ai rien, je vous l'ai dit, rien. Oh, amigo, chez nous, le mensonge, il est puni de mort. Je ne mens pas, je vous dis que je ne mens pas. Fouillez-moi, mes poches sont vides, fouillez, fouillez. Attention, chez nous, le manque d'argent est puni de mort. Non. Hey, toi, si t'es leur chef, dis-leur de me décrocher. La blague a assez duré, j'en ai assez, t'entends? Je voudrais te faire plaisir, mon ami, mais nous sommes devant un dilemme. Ou tu as menti et il te tue, ou c'est vrai que tu n'as pas d'argent et il te tue aussi. Alors qu'est-ce que t'aimes le mieux? Et si je vous disais où il y a de l'or? De l'or? Où ça? Descendez-moi de là. Il t'a demandé où? À la mission, en ruine, à 12 heures de cheval d'ici. Gros malin, pourquoi n'y as-tu pas été tout seul si tu le savais? J'y ai été. À la mission, il y a des femmes qui ont peur d'une attaque des Indiens. Elles m'ont gardé prisonnier pendant 2 jours, mais j'ai pu m'échapper. Elles sont là-bas avec leur argent et leurs bijoux. Des femmes? Et s'il n'y a ni bijoux ni argent? Il y en a. Il nous resterait les femmes? Et aussi les Indiens. Ah, de quoi as-tu peur? Il n'y aura qu'à pas sortir de la vallée si on peut s'offrir un peu de bon temps. Ouais, à moins que l'amigo mente aussi pour les femmes. Je ne mens pas, je ne mens pas. Alors en revenant, nous lui dirons que c'est pas gentil. Qui te dit qu'il nous attendra ici? J'attendrai. C'est que je veux ma part, du coup, j'y ai droit. C'est assez juste, hein? T'es bien sûr, c'est pas un mensonge. Non. L'argent, les bijoux? Non. Et les femmes, hein? Non, je... Non. Alors, comme tu nous le demandes, je m'en vais te descendre. Ah non! Non! Faites pas ça! Mais enfin, rends-toi compte qu'il n'est pas prudent qu'il y ait trop de monde au courant d'argent, de bijoux et de femmes. Bien. J'espère que son cheval est bon. Le mien boite un peu. Avoir du renfort. Des hommes blancs. Alors, ouvrons la porte. Vous êtes les bienvenus, messieurs. Vous entendez ce qu'elle dit, la dame, les gars? Paraît que nous sommes arrivés au bon endroit et au bon moment. En effet, au bon moment pour recevoir l'attaque des Indiens. Indiens? Plaisantez pas avec ça. Il n'y a pas de quoi. Madame, ne plaisante pas. Je suis heureux que vous soyez venus. Ça nous fera 3 fusils de plus. Et où avez-vous eu ce cheval? Hein? Oui, Kittle. Il nous envoie sa place. C'est la vérité, amigo. Il a dit que vous avez beaucoup besoin d'aide. Ma foi...
3 contre 1, on gagne au change. Ami, il n'y a que deux choses qui nous intéressent. La première, c'est l'or. Où est-il? Qu'est-ce que vous racontez là? Du balai! Ça, des femmes? Des femmes, mon tout beau. Franck! Emmenez-le à l'intérieur. Et les autres à vos postes, et tout de suite! Dis donc, on va tout de même pas rester là-dessus! Cette nuit, nous aurons notre revanche. Rien! Pas vous faire de mal. Non, nous et Andy, amigos. Est-ce qu'un de vous parlez comme nous? Moi. Dis à tes frères que nous sommes amis. Si, amigos, je m'appelle Tortilla. Je n'ai jamais fait de mal à une mouche. Pas mouche, mosquito. Non, homme pauvre, pas d'or, pas d'argent. Parole. Si, verdad. Mais nous savons où il y a de l'or et des bijoux. Grand comme une montagne. Or, bon, seulement pour homme blanc. Non, amigo. Peut-être vous aimez mieux femmes blanches qui ont apporté l'or et les bijoux. Chihuahua, elles sont belles, belles, jolies. Avec elles, officier Shivington. Shivington, officier, Shivington. Où? Toi, sorcier, pas avoir langue fourchue, si, non? Où? Là, derrière. La mission. Toi, mentir. Non, amigo. Pour vous prouver, nous, avoir dit vrai, nous restons ici, attendre vous. Si, si. Et vous, nous donnez notre part de l'or. Ah, ça, c'est juste, non? Vous dire vrai, vous venir avec nous. C'est par ici qu'ils viennent, certainement. Tournez à vos postes! Non, attendez. C'est risqué, mais faites monter tout le monde sur le toit. Sur le toit, je comprends plus. Plus tard, dépêchez-vous. Allez, pas de gymnastique, sur le toit. Surtout que personne ne bouge ou ne parle. Une simple toux peut être pour nous une question de vie ou de mort. On fait un tout.
fenêtre, femme. Elles doivent être dedans. On les a vues. C'est pas vrai? Oui. À la ouais. Restez. Il manque au café, mon patouta. Dieu est ma force. Mourasse! Elles sont sûrement là. Elles étaient partout. On les a vues, on leur a parlé. C'est vrai, chef. Elles n'ont pas pu s'envoler tout de même. Non. Il n'en est washte, le capoe. C'est pas la umnim, Edwisit. Chef, j'y suis. Nous sommes sauvés. Je savais bien qu'en priant, il n'y aurait pas de tuerie. Oh, enfin, ces trois-là le méritaient bien. Ça va, vous pouvez redescendre. On leur a joué un bon tour, hein, Franck. Franck, qu'est-ce que je viens de faire? Ça peut arriver à n'importe qui. À vos postes! Bax, veille sur les enfants. Prenez un fusil, mettez-vous là. C'est un ordre, vous irez, même si je dois vous traîner par les cheveux. Oro Ekitawa! Qu'attendent-ils? Que font-ils? Il faut que le sorcier leur dise que le grand esprit leur ordonne d'attaquer. Ne tirez plus, tirez plus. Ils sont hors de portée. Ils veulent nous effrayer et nous faire gaspiller nos munitions. Ils peuvent se vanter d'y avoir réussi. J'ai jamais eu aussi peur. Et voilà! Laissez-les entrer dans la cour, attendez mon ordre pour faire feu! Et ne tirez qu'à coup sûr! Allez-y, feu! Celui-là. Abritez-vous. Quelle importance. Ça, on a beaucoup. Ah.
le feu! Martin, faites rentrer les postes avancés. Pourquoi n'avez-vous pas tiré, vous? Lieutenant, il y a un commandement de Dieu qui condamne la violence et le sang répandu. Vous devriez dire ça aux sauvages qui nous attaquent, mais je doute que ça les arrête. Allez vous mettre de l'autre côté! Faut pas rester là, descendez! Martin, Lycam, maintenez le feu pour couvrir le mouvement. Est-ce qu'elle est morte? C'était une pécheresse. Elle n'était pas du troupeau du bon pasteur. Assez! Taisez-vous! Descendez là, faites vite. Marie. Ah! Oh, à quoi bon tout ce que nous faisons? Nous n'en sortirons pas vivantes. Autant finir tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez pour regagner vos postes? Avez-vous cru que ce serait une partie de plaisir? Sergent, occupez-vous d'elle. Qu'est-ce que ça dit en face, Gibbons? Mettez-la là-bas. Maman! Parle-moi, maman! Maman! Oh, maman! Maman! Viens, mon petit. Viens avec moi. Viens. Je veux rester près de maman, je vous en prie. Je comprends, mon petit, je comprends. Mais il ne faut pas. Allons, viens, viens avec moi. Allons, sois raisonnable, ma petite Nancy. J'essaierai d'en passer ta maman, je te promets. Allons, viens, viens, sois raisonnable. Le plus difficile, c'est de durcir son cœur, n'est-ce pas? Allons, ne pleure plus, ne pleure plus. Lucie, je tiens à vous faire des excuses pour toutes les méchancetés que j'ai dites et plus encore pour celles que j'ai pensées sur votre compte. N'en parlons plus. Alors, je... Merci. Combien de monde avons-nous perdu? 2 tués. C'est pas mal déclopé. Ça aurait pu être pire. Que va-t-il se passer maintenant? Ils vont attendre que leur sorcier fasse quelques incantations pour décider de lancer un nouvel assaut. Comment le saurons-nous? Ce ne sera pas un secret. Assez! Nous avons tous besoin de nous reposer. Ces tam-tams me rendront folle! Franck! Franck, je viens d'en voir qui se glisse!
Du calme, du calme. Ce n'est pas une attaque. Ils viennent ramasser leurs morts. Sergent Anna, dès que les Indiens sont repartis, envoyez une corvée enterrer ces trois renégats. Bien. Mes excuses. Vous avez bien fait. Alors, ça va mieux, McCaslin? Un peu lasse, c'est tout. Ça va peut-être vous sembler étrange après ma crise de stento. Mais quand on est sur le point de dormir pour l'éternité, on essaie de profiter le mieux possible du temps qu'il vous reste à passer sur cette terre. Vous êtes une brave fille. Reposez-vous. Merci. Frank, quoi qu'il m'en coûte, je tiens à ce que vous sachiez que j'ai appris une chose. C'est que la vie ne doit avoir qu'un but, un seul. À chaque heure, chaque minute. Aimer, être aimé, c'est tout ce qui compte. Stella... Ne dites rien. Si nous survivons, je dirai à mon mari que le sentiment qui n'a jamais pu naître entre lui et moi ne naîtra jamais. Ensuite, je retournerai à Joplin. Et j'attendrai. Jones, remplacez-moi. Vous prenez la garde à 3 heures. Vous feriez mieux d'aller dormir. Ne me traitez pas comme une enfant. Je vous traite toutes de la même façon. Excepté Stella Litam. C'est ridicule. Non. Vous pouvez tromper un gamin comme Bax. Vous pouvez même mentir à mon sujet pour l'abuser. Jeanne, si vous ne voulez pas être traité en enfant, n'agissez pas comme tel. Peur, Jeanne. Nous avons toutes peur. Ce n'est pas ça. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est le cœur qui est chipé? Non. Je n'en sais rien. Je ne sais plus où j'en suis. Oh, jeunesse qui n'arrive pas à savoir pourquoi elle pleure. Il est nordiste. Et il est menteur aussi. Non. Si vous l'aimez, il faut l'aider. Il en a besoin, croyez-moi. Rassemblement, tout le monde, je viens vous parler. Ça devient assommant à la fin. Toujours à hurler des ordres. Ne vous y trompez pas. Il est malade d'inquiétude pour chacune de nous. Et il essaie de le cacher, en criant très fort. Votre conduite vous donne le droit d'être consulté. Deux solutions, tenir la mission jusqu'au bout ou tenter de forcer le passage. Et ce serait à nous de prendre la décision? Pourquoi, lieutenant? Vous demande-t-on comment on soigne un bébé? Ne nous demandez pas comment on peut combattre les Indiens. Elle a raison. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est sa faute. Sa faute? Ce maudit sorcier! J'étais tellement furieuse de l'entendre implorer ses dieux pour qu'il l'aide à nous massacrer que j'ai collé 5 charges de poudre dans ma pauvre vieille pétoire. Oh, regardez-moi ça. 5 charges de poudre? Anna, il est à plus de 1500 mètres. À plus? Et votre pétoire porte à 300 mètres maximum. D'ailleurs, leur sorcier se tient toujours hors de portée. Ah, oh, je voulais pourtant bien leur prouver que notre dieu à nous était le plus puissant. Et qu'à notre prière, il ferait un miracle. Un miracle. Venez voir avec moi si la chose est possible. Oui. Hein? Oh. Vous vous sentez capable d'atteindre ça? Sans aucun doute. N'oubliez pas le reste de mes instructions. Parce que c'est vous qui allez commander, moi je reste ici. Et pourquoi? Vous faire tuer? Obéissez aux ordres. Allez, vous toutes! Nous rentrons! C'est assez. Qu'est-ce que vous attendez, Martin? Eh bien, il serait fâcheux de perdre son temps quand on n'en a peut-être plus beaucoup devant soi. Plus beaucoup? À peine, qui sait, celui d'un au revoir.
ou de dire que l'on regrette d'avoir été sotte et méchante sans s'être bien rendu compte qu'on avait tort. Avec un peu de chance, nous aurions pu être des amis. Et peut-être plus. Que font-ils, sergent? On dirait que quelque chose les inquiète. Bonne chance! À vous aussi! Sur les repères et attention, hein, il faut les toucher. Il se sauve pour accomplir le miracle que mon vieux Mousquetaire faisait de faire hier soir. Il va nous débarrasser du sorcier. Il a réussi? Oui, Bax, il a réussi. Va rejoindre les autres enfants, va. Je suis le seul homme qui reste. Ma place est de me battre comme un homme. Non, Bax, fais ce que je te dis. Non, vous n'avez pas le droit de m'empêcher de me battre après ce que j'ai fait. Voilà un fusil qui n'a pas servi. Place-toi à cette fenêtre. Complétons, Betty. Oui, madame, poussez, oui. Je vais aller chercher des munitions. Oui, madame. Betty! Oui.
partir de maintenant, madame, faudra vous coiffer vous-même et vous habiller. Vous tirez aussi. Ne les gaspillez pas, ce sont les dernières cartouches. Le système est coincé! De leur superstition est exacte. Il faut que je m'en aille maintenant. Et j'ignore ce que durera mon absence. Je m'en vais en me souvenant qu'avec un peu de chance, nous aurions pu être plus que des amis. Pourquoi partir alors? Mais je suis déserteur. Se terrer ou fuir sans cesse n'est pas une existence. Où va-t-il? Accusé, veuillez vous avancer et faire face à la cour. Le conseil de guerre, après avoir examiné les arguments de l'accusation et de la défense, a rendu à l'unanimité le verdict... Abhorrent ! Fuite ! Repos, messieurs. Mais continuez, continuez, colonel Shivington, vous présidez. L'accusé est reconnu coupable d'insubordination et de désertion. Où l'avez-vous arrêté ?
C'est-à-dire qu'il s'est constitué prisonnier et pour sa défense nous a conté la plus invraisemblable histoire. Il se serait rendu au Texas, aurait rassemblé une troupe de femmes et repoussé une attaque indienne. Ce n'est pas une histoire. L'accusé n'a pas la parole. Pour compléter l'édification du général, j'ajouterai que l'oiseau jaune et Pierre Gilles ont été pris il y a 3 jours et ont bien parlé d'une bataille. Qu'ils n'oublieront pas de sitôt. D'une bataille avec des chasseurs de buffles et non une imaginaire brigade en jupons. Laisse-nous passer, fiston, ça vaudra mieux. Et vous autres, restez tranquilles. Qu'est-ce que cela signifie? Nous venons chercher notre lieutenant. Et pas d'observation. C'est pas une houppette que j'ai en main. Colonel, je vous présente cette brigade imaginaire en jupons dont vous parliez. Parmi les survivantes, McCaslin, Ogden, Conover, Sergent Anna, McLaven, Caporal Martin. Entre parenthèses, 6 des meilleurs fusils qu'on ait jamais vus. Oui. Bon, et maintenant que les politesses sont faites, allez, lieutenant, en non, route. Non, Anna. Écoutez, j'apprécie le geste que vous venez de faire pour moi, mais il me mène à la potence. Vous, bande de mégères, sortez avant que je ne vous fasse chasser. Monsieur le colonel, s'il y a quelqu'un à chasser, nous le chasserons. Mais Cora, qu'est-ce qui vous arrive? Le seigneur m'a fait savoir que se battre pour une chose qui en vaut la peine, ça n'était pas l'offenser. Sergent Weber, faites semer le rassemblement. Voulez-vous nous accorder une trêve? Ça dépend. Le temps de reconnaître que la brigade en jupon ici encore a vaincu et que nous avons perdu ce combat. J'ajouterai que les nombreux rapports que j'ai reçus prouvent que l'accusé n'est pas le vrai coupable et vous venez ajouter aux preuves. Je dois dire que rarement preuves furent plus attrayantes. Oh, colonel! Lieutenant, votre témoignage sera requis lors du procès du colonel Shivington pour le massacre de Sand Creek. Colonel, prenez les arrêts au quartier. Stella m'a chargé de vous dire qu'elle suivrait votre conseil. Elle est restée là-bas pour attendre son mari. Lieutenant, merci. Et Dieu vous protège. Pour la gifle que vous m'avez donnée. J'ai fait une bonne affaire, prenez garde. Merci encore. Félicitations, lieutenant. Merci. Vous savez, je crois que je ne m'habituerai jamais à vous voir sans un fusil à la main. Comme ça, vous me resterez fidèle. Félicitations, lieutenant. Merci, Nancy. Ogden et moi allons élever Nancy et en faire une vraie dame. Croyez-vous à la loi des compensations? Certainement, mais en est-il encore besoin? Je ne crois pas. Merci pour ma grande amie. I've been living inside of you, but I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see. I can't seem to keep people around me. Why? Cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me. There's no other route. I wanted to shout, but it's too late now cause I'm drowning. Got two faces like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm growling. Like a cop in a cage, I can't cope with this hopelessness. Though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like the rain never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head. I just can't, I just fucking can't. I've been living inside of you, but I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see me. 'Cause I've been living inside of you, but I guess it's time I set me free. There's nothing that you can do. I hope you can see. Baby, what you working like this? You be fine, trust me, just in time we get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you whom I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, and nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they know Jesus up. There's no fucking heaven that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust, yeah. God damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said? Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiots.
And yet this time I set me free. Oh, I love you. I love you. There's nothing that you can do. Funny guy is always I see. I know you can see. There's no one else. Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I get one away. This time I set me free. And there's nothing that you can do.